me demandait pourquoi j'avais voulu faire de l'histoire et de la géographie lorsque j'étais étudiante. En fait, c'est pour une raison très, très intime, comme quoi les choix dépendent beaucoup justement de cette personnalité qu'on se forge. C'est parce que je crois que l'expérience que j'avais vécue de la guerre, avec l'exode, les bombardements, les exterminations, enfin tout ce qui... Enfin, ce que vous savez, me faisait prendre en détestation complète le monde contemporain qui était le mien. Et je le disais, je l'ai dit dans une formule un peu brusque, que je préférais de beaucoup l'ailleurs et l'autrefois par rapport à ici et maintenant. Et donc, la préférence pour l'ailleurs m'a conduite à la géographie. Et pour l'autrefois, m'a conduite à l'histoire. Parce que j'avais pensé aussi faire des langues, mais non, ça a été finalement l'histoire et la géographie qui ont primé pour cette raison. J'en suis vraiment intimement persuadée, parce que j'ai toujours fonctionné comme cela. Je continue d'avoir une grande. Pas désintérêt, c'est détestation, c'est-à-dire je le repousse de toutes mes forces, pour toute l'histoire du XXe siècle.